Salut tout le monde, aujourd'hui on va visiter le château dans Demon Gaze 2. Donc on est probablement dans le dernier donjon du moins, si on exclut le post-game. On verra bien. Il ressent quelques twists, entre guillemets, du genre Eric qui est le vrai méchant du jeu. Ouh, on ne le sent pas arriver si c'est le cas. Que va-t-il se passer ? Ce château ressemble plus à une usine qu'à un château quand même. Merci. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce leader ? Alors, voyons voir ce cercle. Qu'est-ce qu'on se met de bouche?
ce sont des gros zombies dégueulasses, c'est des chiens mécaniques. Plus 23, c'est pas dégueu, mais je crois que j'ai personne qui utilise de lance. Ouais, est-ce que quelqu'un peut utiliser de lance dans ce jeu? Je suis même pas sûr, peut-être que lui d'ailleurs. Je vois si elle a un petit bonus défensif sympa ou pas. Ok, attends, je regarde. C'est pour l'instant, j'ai le katana qui est pas dégueu, qui booste l'agi et la défense. Ouais, non, c'est pas très bien. Et donc, c'est sympa, mais franchement, c'est pas très adapté au rôle que j'ai dans l'équipe. Donc, c'est personnel. On passe pas côté. J'en descends tout de suite, parce que j'ai pas fini le premier étage. On va chausser tout. Ok, on a la même ici. Bon, on va pas remonter, je vais faire ça. Oh, il y a des nouvelles musiques, cool. Quatre-vingt-dix-neuf agressions, tu dois rien sentir. Le goût de s'écraser les uns les autres. C'est marrant parce que pour l'instant, à part les trois zombies, les seuls mobs que j'ai croisés, c'est des... Comment dire? C'est des mecs de la sécurité du château. Ce qui est un peu bizarre vu que c'est censé être plus ou moins évacué. Mais bon, c'est pas grave. On va les buter. Ah,
où il est, tiens? 32, 30, 30, 32. Ah, oh, ils ont vite rattrapé le retard, les deux. C'est bien ça. C'est surprenant que je sois déjà à la fin du jeu à ce niveau-là. Enfin, si c'est dans les deux jours pour de vrai. Ah, mon dieu, les inconnus! J'ai un mix entre tout à fait des zombies. J'ai un mix entre des zombies et l'épouvantail de Batman. Enfin, la version de Nolan. Pourquoi ce truc qui est magnifique? Ok, donc ici c'est bon. Bon, je vais aller là-haut, sinon ici, il y a un petit chemin aussi. Oh, une update pour Fortnite s'est installée. Ah bon. Ils ont quasiment bien, les chevaliers blancs quand même. Quand on pisse le whisky, ça c'est bien. C'est pour ça qu'ils ont quasiment bien. Ils sont en mode chez Torchy, c'est interdit. Ah, c'est RP. Ah. Et, ouh, c'est très moche. C'est très 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 beau. Un démon taker. Waouh. Voilà, là, en fait, il y a un ouais, je me trouve fou. Je sais plus à partir de quel moment tu veux du stuff rang A, non. Le rang S, après, c'est Compose Game, si je l'ai suivi. Bon, c'est plutôt logique, hein. Le rang S, c'est plutôt pour les boss cachés, on va dire. Voilà, donc là c'est bon. Ah, j'ai pas tout fait, il reste de 15 ici. Ah oui, de mémoire, elle va bientôt apprendre le gros buff pour les armes, centaure. Ça c'est bien, c'était niveau 34 je crois, un truc du genre. J'ai changé de map? Ah oui. D'accord, les 4 maps juste à cet étage là. Oh, c'est bien ça, ça va être bien grand comme château, ça me plaît.
Bon, au moins je sais comment on monte. Maintenant on va chercher des gens. Désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui, j'ai un petit peu mal à la gorge, là c'est pas super agréable. Bon, ça va un peu mieux. Alors, level up. J'en étais où avec lui? Ah voilà, c'est bon. Il a rattrapé la gile habité. Avec le... Parfait, parfait. Oh, un coffre, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce donc? Oh, nice. C'est vrai qu'il faudra que je les crame à un moment donné, ces trucs-là. J'en ai déjà utilisé quelques-uns pour build le tank. C'est dommage qu'on passait les combats à être suspens, carrés, paralysés, morts. Voilà. Bon, tout ça, on va les garder pour l'instant. À la limite, j'en cramerai quelques-uns sur la dernière map avant le post-game pour éviter. Mais vous êtes, je vais pour le post-game pour avoir des trucs sympas. Contrairement à ce que je m'attendais, vu que c'est marqué qu'il est maudit, il n'y a pas de perte de HP, et ça c'est plutôt cool quand même. Ça c'est pas mal aussi, mais on va dire que par rapport au truc plus 15, c'est un peu pourri, malheureusement. Donc, on repart. Sur ma position, ça ressemble à une usine, mais au moins il est parti, donc ça fait plaisir. Ça sent les survivants. Ouh, il y en a 5. Ok. Bon, ça va être genre 2 à gauche et 2 à droite, et un au centre, non, un truc comme ça. Oh non, un monstre. Ils nous font droit dessus. Ok, bien. Donc à mon avis, il doit y avoir un truc de l'autre côté aussi, vu comment c'est positionné.
Ah, un changement de sens, ok. Allez, relou. Donc ça, c'est vers le sud. Et moi, je vais aller, on va dire, à droite. Ah, il y a un passage à gauche. Wow. Lui, il a l'air de venir. Voilà, maintenant lui il est mort. Et ensuite, c'est la queue de... Ce passage... Ah oui. Je me demandais s'il est vraiment à l'intérieur ce passage secret. Moi je confirme, il y en a un. Oh le pauvre, c'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'on balance cette fois-ci? Hop, 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 on est là. Ah, de moche. Une, deux, trois. On peut repasser par là, c'est intéressant. Ah, là. Ah, sens unique, ok. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Désolé, je suis un peu claqué. En quel sens elle est. Attends, c'est par là. Ah, je rappelle. Ce n'était pas la bonne porte. Bon, on l'a refait. J'ai hésité, mais... Voilà. C'est cool, là, 230 dégâts. C'est pas donné à tous les ennemis de taper aussi fort. Déjà de taper tout court, c'est rare. Genre c'est le petit équilibre. Voilà. Ok, donc là à mon avis il y avait une porte centrale qui était ouverte. Voilà, et de une, et de deux survivants. Allons, un monstre, je ne l'avais pas vu. Oh zut, j'ai foncé dedans.
Oula, bah ici on est bon. Allez, on retourne par là. Oh, ils sont servis. Quand je relance la vidéo, je fais ça. Ouais, bon, je relance la vidéo vite. Allez, on continue. C'est un cul de sac. Allez, on va continuer par là maintenant. Non. Les petits salons. Tout ça pour ça. Oh. Ah bah oui, voilà, là c'est bien. Ça me plaît. On va se servir. Évidemment que je veux des trésors de chest. Partir à civil, comme ça je suis genre, oh non, je suis pas du tout en train de piller la pièce. Très très bien. Oh, ils étaient bien cachés, les grands, non? Un nouveau truc. Ah, du stuff rare, ça y est. Ça doit être cool. Ça, je pense que ça va être sympa que je l'équipe. Allez, plus qu'un niveau et elle apprend le super power up d'attaque. C'était mignon. C'est genre le monstre qui se jette devant toi pour que tu le tues.
Et oui, c'était donc Lucky. J'étais pas sûr. Il y a eu le petit combat pour laisser un petit peu de suspense. Ok, donc ici on est bon. La chapelle, elle ressemble aussi à une usine, quand même, je dis ça, je dis rien. Je sais si c'est le passage secret, quand même. C'est bon à savoir, moi je sais où aller après. Chou les poubelles pour trouver de l'alcool. C'est comme ça les révolutions. Il a changé les mecs. Hein. Il est en armure. Ouf. Ok, ça c'est bon, ensuite...
Ça mène sur la prochaine map, mais en même temps il y a un peu de flagger. Bon, c'est bon, je vais prendre la prochaine. Oh, j'ai bien un truc. Oh, j'ai bien me buffer. Eh oui. J'y pense tellement jamais. Voilà. Moi, je gagnerai encore plus facilement. Bon, ceci était une pièce vide. Next. De grandes pièces vides dans cette partie du donjon. Attends, ça fait un baraquement, donc c'est pas mal plus censé être surpété. Hein. Ah bah voilà, là c'est pas vide, c'est bien. Là il y a du loot. Derrière. Attends. Et qui était devant, c'est vraiment derrière. Bon, je fasse gaffe au stuff, parce que je suis probablement bientôt full. 94, ouais, je m'en doutais. Forcément, on a de deux. On a fait peur d'avoir beaucoup de pièces avant que nous. Pour finir ce qu'on a commencé.
Ah, il y en a encore après. C'est pas y avoir presque fini de faire le tour. Moralité de ces combats, ne négligez jamais la loc dans ce jeu, ni les altérations d'état. Voilà, comme ça c'est déjà rouillé, même si je vois pas trop l'intérêt, c'est pas non plus un super détour de la mort, hein, tout à fait. Ah, un super chien garou. Chien garou métallique. Ah voilà, là par contre il y a un monstre. Ah, on est bien d'accord, c'est pas le système de sécurité. C'est dans tes mains de golem. Tout seul, sans le golem. Je crois qu'il y avait des comme ça dans Stranger. Mais je sais plus le golem. Ils ont perdu. Je vais pas la peine, j'en fais peut-être deux sorts dessus. Très très cool. Là on a peut-être goûté des trucs sympas, on va regarder vite fait ce que ça fait de beau. Alors ça c'est quoi? Ah non, je peux pas cliquer sur lui, c'est étrange. L'armure c'était ça, c'est pas trop mauvais, si je l'upgrade beaucoup beaucoup ça rattrapera. Enfin, c'est du rang B, parce qu'à ce stade du jeu on upgrade encore du rang B. Je suis pas sûr sur ce, franchement, on va plutôt attendre le rang A. Bah, il est vachement cool cette épée, pourquoi je peux pas l'utiliser sur lui? Ah je vais l'utiliser que sur elle, pour ça me voir, hein, tu me diras, la confusion. C'est plutôt bon coup, j'ai envie de dire. Alors je mets la place de quoi? Je mets la place de ça. Fils paralysé KO, ce qui est pas mal. Ça c'est dead, c'est ça qui fait que le mec il meurt en un coup. Ce qui est plutôt cool aussi. Et elle était sur la baliste. Bah, parce qu'elle ne peut pas attaquer à distance pour l'instant. J'ai plus de qualité, je sais pas si on peut voir. Je dis paralysé KO ou dead. Ça c'est confusion. En plus ça frappe super fort. Ça peut mettre à la place de ça, hein, si ça commence à manquer de punch quand même. Ah mais le Swapistaf il est super cool, mais là, à un moment donné, il faut équiper des autres trucs. Là, je me suis bien amusé avec le staff, hein, franchement. Là. Il est quand même très très efficace. Bon, ça fait des dégâts bonus, même si ça peut être un truc de ouf. Je regarderai sur le prochain combat, je mettrai les logs pour voir combien de dégâts elle fait avec son petit cerf de vent. Yay! Yeah. Oh, des gens.
Ah bah c'est sûr. Ah merde. Évidemment, le petit dernier, au fond, dans ce bruit de mec. Voilà, bon, je vais retourner voir le capitaine. Et après, je vais retourner en ville et sans le garder. Ah, j'en ai des doctis, j'en ai pas. Ah zut. C'est ballot quand même. En faire. Ah mais en plus les nouvelles épées sont sacrées je pense. Non ou vent. Ouais plutôt vent, plutôt juste. Ah ça va être en plus dégâts plus. Sur un triple attaque, ça peut vite monter. Une petite centaine de dégâts, ça fait preuve. Ça peut être sympa, hein. Franchement, sur un long combat, ça peut faire la différence. Ah, un petit crâne en passant. Voilà. Maintenant on se casse. D'abord on finit la petite explo. Là il y a quand même tout petit morceau. Voilà, maintenant on se casse. Alors, là, si c'est bon. Voilà, donc le mec il est là. Il a un coffre là-bas. Je le prendrai quand je reviendrai. Ce chiffre. Remarque. Les gemmes ça se stack. Les champignons et les crânes ça n'a pas de place. Bon, j'irai le prendre. Voilà, premier étage, c'est fait. C'est Eric. Ah là 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 là. Ouais, enfin mon Dieu, il faut peut-être réfléchir les gens. Hein.
En vrai, non, je vais d'abord vider l'inventaire, ce qu'il faut. Allez, allons vider l'inventaire. Yeah. Allez, on y retourne. Alors, prison, prison, prison. Ok. Donc, on va commencer par le. J'ai une étoile. Qu'est-ce donc Alors si j'ai bien compris sur GameFAQ, les Star Circle, bah t'as fait un petit tuto. Voilà. Tu as du stuff qui est utilisable par le démon que tu mets dessus. Et tu peux looter des doublons d'objets uniques. Ce qui inclut les artefacts. Voilà, voilà. Tiens, ça revient. Est-ce que tu connais des démons qui sont dans ton équipe? Ou qui sont pas dans ton équipe? Non, tu peux pas. Alors je mets qui? Duel. Ah, tu en mets 3. Vache. Oh, je peux tenter en hardcore en balancer 2. On verra ce que ça donne. Allez. C'est bon. Ils n'ont pas vu. C'est tous des morts vivants. C'est tentant. Ah, j'aurais dû pas faire une seule, mais j'ai pas pensé. Deux items par oh, ça c'est cool, Capability. Est-ce que tu veux deux items par démon ou est-ce que tu en mets 4 peu importe ce que tu mets?
après tu refais ton équipe. J'avoue, l'anti-kidnapping en accessoire, il est plutôt cool. Hein. On va pas se cacher, HP+, CPDF. Ouais, bah écoute, j'ai envie de dire banco pour le tank. Ceci, ce kidnappé, j'ai l'air un peu cool. Ouais, c'est bon, j'en ai pas sur les attaques. Non. Parfait. Ça valait le coup. C'était quoi les autres trucs? J'en ai déjà plus. Une blade katana. Bon, ça c'est pourri. Ça c'est pas génial, génial. Et ça c'est tout pourri. Bon bah, ben, voilà. Sinon. Un coffre. Oh, un crâne. Parfait. Ah, c'est bien là-bas. Ah, mais c'est bon, la chasse au coffre, ça va être fait quand je vais vraiment commencer à bien la faire. Je vais voir s'il y a moins de ces trucs-là. En sortant, j'irai voir le coffre. Je me dis s'il y a quelque chose à faire ici, si ça permet de foutre la merde sur le toit. Parce qu'au final il y a ça aussi, hein, c'est le truc en haut, c'est la stratégie du toit. C'est casser des trucs dans cette zone là permet de péter en partie tout du haut. Au moins ça sera fait. Ces pièces sont désespérément vides et pleines d'objets pourris. C'est où ça déjà? Ok, donc les gens vont aller voir ça avant. Ça c'est pour descendre par contre. Chichi. Ah, c'est ce qu'il faut.
La porte centrale elle est bloquée, tiens, c'est bien. On va sûrement y arriver par ailleurs. Bon, moi je vis dans l'ensemble de cette zone. Ça m'évitera de me perdre ou d'explorer plus tard. Ok, ici c'est bon. Fait qu'on va chercher le machin là. Ça fait un petit détour quand même là. Bon, ça va encore. Ça y est, je crois que je vais avoir les buffs. Ouais, ça y est. Ça c'est bien. On va le cul des boss, tranquille. J'aurais pu qu'à choper un artefact pour que la régène soit un peu aussi, et puis on est bon. TP, ça ira plus vite que de me retaper tout le chemin. J'ai fait une petite pause vite fait vu qu'on va aller dans les étages après. Ah, quoique, je vais d'abord finir d'explorer les escaliers à gauche et à droite pour me mener quelque part. Vu que de toute façon, la suite c'est clairement le centre. Escalier là, je sais s'il y en a qui ont cette arme. Allons voir ce qu'il y a de tout là-bas. Comme ça, j'aurais bien exploré la première zone pour la vidéo, ce sera parfait. Ok, alors après vous, c'est grand. Ah oui, quand ça fait, on aura des deux. Ah, des champis, ça faisait longtemps. Attention. C'est marrant s'ils ont tous un petit truc du chocolat, évidemment. Et des monstres, alors je sais pas comment ils sont rentrés. Ah, j'ai pas un coup. Parce que lui, il en est très mort. Parce que
je demande ce qu'elle a laissé comme artefact, enfin comme objet. Pas forcément un artefact, c'est peut-être un accessoire plutôt, elle a dit. L'amulette. J'ose espérer qu'elle peut l'équiper quand même. Oui, ça va. Petite explosion, c'est pas dégueu. Pas beaucoup de défense, mais en même temps c'est normal, l'artillerie est en plus 4. Bah écoute, banco, j'ai envie de dire. Ah, je suis presque capé en mist. Alors je pense à appeler la luck, comme ça je pourrais lui équiper des trucs défensifs en artefact. À un moment donné pour aller buter tous les trucs que je vois sur la carte de la maison. Parce que tous les jeux confondus, il va y avoir un sacré paquet. Ça mène deuxième escalier ou c'est ailleurs? Ah non, c'est ça, c'est l'escalier est. Parfait. De plus, décidément. Je sais pas combien j'en ai en route, mais. Ah, c'est fermé. Il n'y a genre que la pièce au-dessus, si c'est. Bon, bah voilà, on a fini d'explorer la première zone, alors. Hein. Donc, un accessible sans la pièce centrale. Donc, on a looté, certes. A priori, on n'a pas raté l'endroit. On était là-bas, on était. Non mais c'est bon, bah écoute, ce sera la fin de cette vidéo, parce qu'à mon avis la prochaine zone va être très longue aussi à explorer, donc on va arrêter là pour celle-ci. Allez, salut !